Alors, Piotr, bon, une muse, 17 ans. Bon, 17 ans, ça n'a pas l'air vieux hein, pour un oiseau. Nous, à 17, 18 ans, c'est le moment où on est tout jeune. On va boire des bières, on pique la voiture de papa, c'est génial. Pour un oiseau, 17 ans, pour un oiseau que la nature ne vole pas gratuitement. Hein. Les rapaces volent très peu, beaucoup moins qu'on ne le pense. Ils volent entre 3 quarts d'heure et 1h30 par jour. Le temps de se nourrir, le temps de manger. Une fois qu'ils ont mangé, eh ben, ils vont se poser dans un arbre et ils vont passer la journée là-bas à ne rien faire. Comme le lion. Ah, ce sont des grands prédateurs. Hein. Et le lion, quand il a mangé sa gazelle, il va dormir. Personne ne se pose la question. Les... Alors, aujourd'hui, ben, comme morceau de viande que je lui donne, ah, c'est des petits morceaux de poussin aujourd'hui. C'est... Oh, ben, oui, ben, c'est des poussins d'un jour. Hein. Ben, c'était pas leur jour. Vous pensez que c'est un problème pour cet oiseau? Non. Eh bien. Eh bien, vous remarquez, aucun problème pour eux de voler pendant la journée. Et même aucun problème... Attention les caca, ça pique les yeux. Hein. Aucun problème de voler même en plein soleil. C'est même naturel pour ces oiseaux. Alors, je vous explique pourquoi. Les chouettes, les hiboux, utilisent plus leur ouïe, leur oreille, que leur vue pour chasser. Donc, si jamais il pleut pendant toute la nuit... Déjà que c'est difficile de voler pour l'oiseau, mais en plus, il ne saura pas localiser le bruit que fait sa proie à cause du bruit de la pluie. Et donc, ses chasses pendant la journée, seulement un problème avec d'autres oiseaux comme la piotor, la buse, ou les corneilles des oiseaux noirs, qui quand ils voient un petit hibou ou des chouettes, ils les attaquent pour les tuer et pour les manger. Eh oui. Zo de Heil de Huhu Zein Vornamelek Nactactive. Sandelege, Miskin de Vogel, Miskin de Dac, et Miskin in Vozon. En als de Vogel wil eten, hij moet jagen in Vozon. Dit is nature, moeilijk, maar nature. Allez Raymond, t'as envie de venir, viens. Hein? Alors, geen problème met de zon. Hein? Allez, geen problème met andere Vogel. Donc Raymond, c'est un hibou, les deux autres, ce sont des chouettes. Le hibou, et seulement sur le hibou, on trouve deux bouquets de plumes. Plom, plom, ça. Ça, ce sont les aigrettes. C'est comme ça qu'on reconnaît le hibou. Et les aigrettes, ce ne sont pas des oreilles. Hein. Ça n'aide pas le hibou à mieux entendre. Ça lui permet de manifester ses émotions. Quand le hibou est de bonne humeur, comme quand il était sur le gant, il avait à manger, c'est normal, il est content, les aigrettes sont couchées vers l'arrière. Mais si le hibou a peur, s'il est agressif ou de mauvaise humeur, les aigrettes sont vie la journée, pas la nuit, comme à peu près 30% des chouettes. Alors attention, Spartacus, tu te rappelles, entrer, sortir. Ah oui, il souhaite aller bien. Il gagne, il gagne. Voilà. C'est la poule. Ah. Nous sommes très bouillon, c'est la star de bouillon. Oh. Bien. Arrête. Elle se fait. Ah oui, il se dit mouille, hein, il est pas beau. Voilà, Paul fait mouille. Il y a une photo nue, elle a une photo d'Arna. On verra. Ok, ben voilà, il y a peut-être que dire, hein, le Kim. Ok. Blijf staan. C'est lui qui va l'attaquer. Oh, vandaar! Heb je wat vasthouden, ja? Ah, oh, il est toujours en vie, je lève toch steeds. Allez, on va faire un peu de nieuw alcoolide. Ah, dat is goed. Ok, perfect. Alors, hop, une petite télémétrie, un petit émetteur pour l'oiseau. Voilà, ça va mieux. Allez, come in, Linda. Bien, bien, bien. Eh bien, Greg Benac, merci beaucoup. Alors, les buses de Harris, on voit ici dans un petit couple, sont plus petites que les buses variables, les buses de chez nous. Mais leur queue est plus longue. Et cette queue leur permet de voler entre les arbres. Et le public. L'aigle qui garde la tête blanche. Boum, il a la tête noire, c'est normal, elle est toute jeune. Elle a 11 mois maintenant. Cet oiseau, bah, il y a beaucoup de chances que mon fils puisse voler avec, parce qu'il peut vivre jusqu'à 60 ans en captivité. Dans la nature, vous pouvez toujours diviser cet âge par 2 ou par 3, simplement, pour les difficultés de la vie. Allez, c'est sur ce dernier vol que nous allons terminer le spectacle. This is the last week for Montana and this is the end of the show. Mais de Zé Allen avec les clopidiagues. Montana! Alors voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le spectacle. Là, écoute, la studio Van Gunoten Heaven. Et si vous avez aimé le spectacle, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre une petite pièce dans le prochain. C'est plaisir.
Maintenant, si vous n'avez pas aimé le spectacle, je ne sais pas, mettez une petite pièce quand même. Hein. Donc, on va revenir vous rejoindre avec là où l'autre oiseau, pas Montana, elle est trop jeune pour les photos. Mais il me reste à vous dire merci, bedank, tout de suite. Au revoir. Mooi, hè? Ja. Nou, we willen ze weer klaar mee. We gaan een bakje doen en een tosje tosje. Yeah. Nou, zullen we dat nou weer wezen? Dankzij de gratie gods ben ik heer van Saussure en kasteelheer van Bouillon. Ik verdedig de deugd van onze hertog Godfried met de paard.
We zijn in 1067 en het is nu 2 jaar dat onze hertog zijn positie herwonnen heeft als hertog van Neder-Lotharingen. Pont en 1930. Ce pont permet d'atteindre l'abbaye de Cordemois, Cons of Poly, die werd geactiveerd door de Veerman, voor de bouw van de brug in 1930. Dankzij deze brug kan men de abdij van Cordemois bereiken, die opgericht werd in 1930 en... Adolphe de Lamarck est élevé au siège épiscopal de Liège, puis son neveu...